difficile que ça. Ah. Au niveau gris féminin. Ouais, tu as bien compris. Alors ça dépend. Alors j'aime bien. Donc, j'aime bien les Miss France. Mais ça, je me souvenais plus qu'il avait dit ça. Parce que je crois qu'à un moment donné, je posais la question à ses parents de savoir où il habitait et comment ça se passait avec les filles et tout. Et il y a le papa qui était cash en disant que ça va très bien, je sais plus quoi. Et lui aussi, oui. Côté dragouille comme ça, mais il était hyper marrant. Enfin, c'était une famille exceptionnelle, quoi. À 25 ans, il est toujours pas marié, il vit toujours avec papa, maman. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je rassure les gens qui sont un peu choqués, hein, qui pourraient avoir des idées mal placées. C'est un très bon. Non, j'irai pas plus loin, mais. Il a son petit appartement, enfin son petit studio en dessous, indépendant. Je surveille pas volontairement, mais je vois que ça passe pas mal. Eux aussi, c'est caricatural presque. C'était incroyable. Je sais pas si aujourd'hui on arriverait pareil, genre 20 ans après, à obtenir le même résultat avec des footballeurs. À l'époque, c'était fantastique. Les gens, ils nous accueillaient chez eux, quoi. On était, voilà, on partageait le thé, on était à table avec eux. Vous vous souvenez de quelques anecdotes par rapport à Tony Vera? C'est vrai que la première fois. Si tu veux en reparler, ah oui. C'est l'histoire, voilà, exactement. Ouais, Tony Vérel, quand il était venu à TF1, il m'avait fait monter dans sa voiture, il était passé plein de fois autour du bâtiment de TF1, parce que comme tout est en baie vitrée, il adorait, puis il écoutait Nostalgie et tout, puis il frimait, il passait devant, c'était trop drôle. Et vous l'aviez revu après, un moment, Tony Vérel ? Non, c'est pas revu, je pense pas, non, c'est pas revu. Love me sweet, never let me go. Allez, je souhaite un très très bon anniversaire à Téléfoot, à toute l'équipe, et puis que cette émission dure encore plein d'années. Bon anniversaire Téléfoot. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine.